Et toujours dans ce genre d'activité, je te jure, j'en ai marre. So now she was part in my head. Baby got me speeding on the motorway. 25 minutes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez spéciale. Enfin, pas spéciale, mais c'est toujours un vlog en gros. On va faire une journée de touriste dans Paris. Donc, j'habite dans Paris depuis 22 ans maintenant. Enfin, Paris, c'est son nom quoi. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Genre plein de trucs banals. Touriste, mais que j'ai jamais fait. Du coup, je me suis dit, bah autant vlogger le truc parce qu'on va faire plein de trucs de touristes, plein de trucs un peu clichés et en tout cas des trucs que je n'ai jamais fait. Et donc, je me suis dit, ce serait cool de vous emmener avec moi et de faire un petit vlog. Petit vlog de Paris, petit vlog de Paris et ses alentours, petit vlog de touristes. On va s'amuser, on va passer la journée ensemble. Donc, avant même de continuer cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo et partagez. Et dites-moi en commentaire ce que vous voudrez voir à la suite sur ma chaîne. Du coup, il faut que j'y aille parce que faut que j'aille récupérer ces lignes. Et ensuite, on est parti. En plus de ça, Céline est en train de m'envoyer des messages pour me dire qu'elle est même pas encore prête. Pour une fois, je suis pas en retard. Franchement, ça, c'est un signe que vraiment, la journée, elle va être excellente. Je suis arrivée en bas chez Céline. J'attends qu'elle descende. Je sais pas si on aura le temps de se prendre des pains au chocolat, des pains, des croissants, tout ça, parce que j'ai super faim. Je crève la dalle. Et comme on va faire genre un mini road trip, parce que là, la première activité, du coup, c'est la visite du château de Versailles. C'est bon, elle est là en plus. Et la belle gosse à ta voiture. Je me suis frottée à la fac, à un mur. C'est toi qui t'es frottée? Ouais. Putain. Il faut qu'on prenne des pains au chocolat, j'ai trop faim. Vas-y. On est arrivé au château de Versailles. Putain, du monde hein, quand même. Les gens ils sont pas à l'école, ils sont pas au travail. Aujourd'hui le thème c'est touriste. We only speak English. Ok. Ça va durer 5 secondes. T'imagines, genre je suis très bête, t'as fait ce vide là tout le temps. Les gens ils se mettaient bien hein. C'est un meilleur life ici. Vraiment. On a fini la visite dans le château, on est dans les jardins et ça me donne trop des vibes de Orgueil et Préjugés. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film, mais bah de base c'est un livre mais qui a été fait en film quoi. Et ouais, ça me donne trop des vibes de ça. Et j'adore parce que c'est un de mes films préférés. Fun fact about me, je me sens comme Elizabeth. Du coup on a fini au château, on va passer à notre prochaine activité qui va être Céline. Je sais pas. C'est vraiment une organisation. Bancal, hein. Franchement par contre le sol Louis XVI, je suis désolée mais c'est quoi ça? Louis XIV. Ouais Louis XVI, Louis XIV sous les Louis là. Même à la salle je fais pour ton sport wesh. La meuf elle va à la salle pour 20 minutes. Arrête de mentir. Minimum 1h, 1h30. Je fous ta gueule wesh, je fous ta gueule. Ok les gars, donc là on a fini dans le château de Versailles. Maintenant direction la prochaine activité. Céline tu peux le dire s'il te plaît. Arc de Triomphe c'est ça? Ouais. Arc de Triomphe, on va essayer de monter sur l'Arc de Triomphe pour avoir une vue d'ensemble sur Paris, comme des vrais touristes. C'est bien là, la sortie, j'espère. Et alors du coup là? Verdict, combien on va payer? 8,40. Ah c'est un carte bancaire? Ouais. Attends, je te passe ma carte. Vous pouvez garder le ticket, j'en ai pas très besoin. Donc on en a pour 30 minutes. C'est trop bizarre. Ouais, c'est contour, je crois. Non. Oui, mais je sais pas ce qu'il me fait quoi, non. Non, faut pas que tu tournes, Julien.
va toujours. Moi, je comprends rien. Ouais, je comprends rien. C'est quoi ce GPS là, mon frère? Ah, donc on fait tout le tour en fait. Ok, la cœur, j'ai qui habité. Mais regarde, le GPS, il fait encore n'importe quoi là. Putain de merde. Moi, je comprends rien. Allez. Et le BG? Non, je l'ai fait en bas, non? Non, c'est pas. Mais pourquoi il veut pas se centrer en fait? Je sais pas. Bon, au moins on sait qu'on doit faire le tour donc. Putain, comme par hasard là maintenant il y a plein de voitures, super. C'est super. On adore. En fait, il y a pas le signal GPS. C'est quoi ce pays là? Dans cette ville? Versailles là, mon frère. Vous avez des grands châteaux mais vous avez pas la 4G, je comprends pas. Ah. Ah, et ben voilà. Céline a bien de mettre sa playlist. Okay, vous pouvez juger ses goûts. Vas-y, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis de la génération, quand y'a ça, je trouve que c'était mes guns. La réponse se fera en silence, j'ai fini de casser ça au silence. Je peux pas t'aider, j'suis comme les revanches aidées. Mandat déposé à vaisseau, genre le 9 en 4 soucis. J'ai coupé la main au couteau, j'ai tout craqué, j'ai goûté. Non, y'a un problème. On s'attrape quand on sera là-bas. Few moments later. La pression. Ça, c'est vraiment le baptême de chaque conducteur. Quand vous avez besoin de parler. Ok, on est à l'intérieur. On est à l'intérieur du rond-point. Oh my god. Ok. Attends, vas-y, Mako. Ok. Attention, si tu vois la voiture en face de toi, elle avance. C'est là? Mais c'est le problème! C'est là? Non, c'est pas là, c'est là-bas! C'est là? Ouais! Ok. Déjà, on est des pilotes, nous, on gère. Bah, super! On a géré ou pas le rond-point de la mort? Les gars, on est arrivé à l'Arc de Triomphe. Déjà, on a passé. Jimmy nous a trouvé comment rentrer, mon frère. Parce qu'on peut pas traverser. On trouvait pas l'entrée souterraine. J'ai oublié de préciser. Mais le château de Versailles et l'Arc de Triomphe, là, du coup, les activités, c'est gratuit pour les moins de 25 ans. On est en train de monter l'Arc de Triomphe. Il en reste 3. Hey, toujours dans ce genre d'activité, je te jure, j'en ai marre. Les gars, à chaque fois, je me plains de faire des activités. On doit monter. En cours de Sierra. Allez, viens, à chaque fois, je suis tendue. Je crois qu'on a monté 18 étages. Bah, je trouve que c'est moins que. Heureusement qu'on est arrivé, mon frère. Oh my god. Franchement, il devrait investir pour un escalator. Deux activités de touristo et là on est dans un restaurant qui s'appelle La Brigade. Je vais vous montrer, ça a l'air super bon et on va se péter le bide. Much later. Ok, donc du coup on a complètement changé de décor. Là on est parti se poser au but Chaumont parce que la journée nous a fatigués. Genre franchement on a ça va quand même, on a fait deux petites activités.
Mais là, on s'est dit, il vaut mieux se poser. On profite un peu du beau temps. Enfin, du beau temps. De Paris. On profite un peu de Paris et puis voilà. Je pense qu'après, on va se prendre aussi un bubble tea. Et puis voilà quoi. Ça va, hein, la luminosité. Ça va, non? Get that.